Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Expérience Paranormale, l'émission du surnaturel. Comme d'habitude, on est en direct, comme chaque mardi soir, les amis, soyez tous les bienvenus. Et comme d'habitude, à côté, j'ai notre collaborateur Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Médium, voyant et spécialiste de médecine chinoise, Alain. Tout à fait, oui. Voilà, donc et puis on terminera cette émission avec Alain, avec les vies antérieures, comme vous avez l'habitude, les amis. Mais ce soir, comme vous l'avez vu, c'est une spéciale, comme on a l'habitude de faire quand on reçoit des auteurs. Et ce soir, je reçois, les amis, Monsieur Jean-Claude Bourré. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir à tous. Voilà, j'espère que le son passe bien. On est en direct, comme d'habitude. C'est les aléas du direct. Le temps de régler tout le son et c'est parfait. Comment ça va, Jean-Claude ? Impeccable. Je suis à votre disposition. Ah. Eh bien, c'est génial. Je suis ravi, en tout cas, de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Claude. Vous allez faire beaucoup d'heureux ce soir qui sont passionnés par ce sujet. OVNI. Toi aussi, Alain, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va démarrer dans le vif du sujet, mais juste avant, les amis, alors pour ceux qui habiteraient sur Mars, petit portrait rapide de Jean-Claude. Hein, Jean-Claude a été un grand journaliste. Vous avez été sur France Inter de 1967 à 1974, puis rédacteur en chef et présentateur des journaux de TF1, également de 73 à 87. Et puis, la même chose, présentateur du journal sur la 5. Je ne sais pas si tu te rappelles, Alain, ouais, la 5. Je me souviens. 1987-92, Jean-Claude, c'est ça? Ça remonte un petit peu à... C'est ça, oui. La chaîne qu'on se rappelle tous, enfin, je dis tous, pour les plus anciens, c'était une chaîne géniale. Moi, j'aimais beaucoup cette chaîne, la 5. Alors maintenant, c'est France 5, mais avant, c'était... Ouais. La 5. Voilà, donc vous avez écrit 27 livres, Jean-Claude, sur des sujets divers et variés. Et ce soir, vous venez nous présenter votre 28e ouvrage, Les ovnis, voyages dans le temps, aux éditions Guy Trédaniel. Donc, premier livre de Jean-Claude sur... alors, vous en avez fait plusieurs, je crois, Jean-Claude, hein, des livres sur les ovnis. Hein, sur ce sujet. J'en ai fait 5 ou 6, oui. 5 ou 6, hein. Et le reste était donc de divers bouquins. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas dévoiler tout le livre ce soir. Mais ma première question, Jean-Claude, quel a été pour vous l'élément déclencheur pour que vous consacriez 50 ans de votre vie à étudier le phénomène OVNI? Est-ce que c'est suite à cette expérience que vous avez vécue sur le plateau d'un journal de TF1, peut-être? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'étais à l'époque rédacteur en chef de France Inter. Ouais. On était dans les années 73-74. Je faisais d'ailleurs un peu de télévision puisque Christian Bernadac, qui était rédacteur en chef de France 3, ouais, avait commencé à faire une sélection de jeunes journalistes qui étaient susceptibles de faire de la télévision. J'avais été sélectionné et ouais, j'avais présenté à cette occasion le premier journal télévisé de France 3. Je suis d'ailleurs la première personne vivante qui soit apparue sur France 3 le 1er janvier 1973 à 18h30 dans le studio 135 de la maison de la radio. D'accord. Et puis, je présentais également sur France Inter une émission qui existe toujours, qui s'appelle le Téléphone Sonne, qui consiste à recevoir un invité et puis à donner un numéro de standard aux téléspectateurs. Aux spectateurs, plutôt aux auditeurs, oui, et qui peuvent interroger la personnalité qui est invitée. Et à l'époque, il n'y avait pas évidemment les smartphones et les ordinateurs, oui, et on m'apportait en permanence les dépêches d'agences sur du papier, c'était des téléscripteurs. Et on m'a apporté, donc en 1974, on m'a apporté la fameuse dépêche Agence France-Presse de Turin, qui racontait l'affaire de Turin, donc. Qui était une observation d'objets volants non identifiés en plein jour par des centaines de personnes, photographiée par un photographe de presse professionnel, observée par deux équipages d'avions qui décollaient et atterrissaient de Turin, un équipage d'Air France, un équipage d'Alitalia, oui, et puis un troisième équipage d'avions qui était un bimoteur Piper Astex, entendant les conversations radio échangées entre les deux équipages d'Air France et d'Alitalia et la tour de contrôle de Turin, ouais, a dit, mais moi, j'ai pas de passagers, je peux m'approcher de cette chose qui est observée et qui est détectée par le radar.
Et c'est à partir de là, si vous voulez, que j'ai commencé à me dire, mais il y a quand même des choses qui sont incontestables dans le dossier des ovnis. Voilà comment tout a commencé. Ça a commencé à vous interpeller, quoi, ce milieu. C'est quelque chose qui vous fascinait, non? Déjà, depuis peut-être plus jeune, enfant, tout ce monde un petit peu, voilà, Du fantastique. tout, je ne peux même pas dire que ça ne m'intéressait pas. C'était quelque chose complètement en dehors de mes préoccupations. Oui, c'était hors sujet, quoi, tout ça, avant. Oui, c'était hors de mon esprit totalement. D'accord. Alors, le livre que vous venez nous présenter ce soir, Les ovnis voyages dans le temps, donc sujet très important. Alors, c'est un livre interview, Jean-Claude, avec Patrick Marquet, qui est un physicien théorique spécialiste de la relativité. Dans quel sens l'avez-vous rencontré? Parce, alors, moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai pu lire que c'était une grosse, grosse pointure dans le milieu. Hein. C'est quelqu'un qui est très modeste, mais qui est un éminent scientifique de très haut niveau. Il est à la retraite maintenant. Oui. Il a travaillé avec De Broglie, qui a été prix Nobel de physique, et qui dirigeait l'Observatoire de Paris. Et Patrick Marquet a travaillé avec lui. Il m'a montré, d'ailleurs, c'était très, très émouvant. Il a dans ses collections personnelles des lettres manuscrites de Broglie qui s'adressent à son élève, à son assistant. Oui. Enfin, l'un de ses assistants, Patrick Marquet. C'est un garçon qui est très solide sur le plan de la physique fondamentale. Il est toujours d'ailleurs correspondant de plusieurs académies des sciences. Il a une vision tout à fait particulière sur ce qui se passe en ce moment, puisque sa mère est ukrainienne, mais en même temps, il a été D'accord. correspondant de l'académie des sciences russes. Donc, mais évidemment, totalement de côté, la guerre dans laquelle nous sommes, Oui, oui, entraînée, oui. l'histoire jugera. Mais c'est quelqu'un de très, très solide. Et je l'ai rencontré dans le cadre habituel de ce que fait un homme qui a un petit carnet d'adresses comme moi et qui, évidemment, a des correspondants dans tous les milieux. D'accord. Comment vous en êtes venu à vous intéresser donc à ce sujet donc des ovnis qui voyagent dans le temps? Alors moi, je vous cache pas, votre livre m'a fait penser au film Interstellar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Claude. Oui, je l'ai vu, oui. Qui, voilà, c'est très parlant, ça m'a fait penser à ça. Et dans ce livre, vous parlez de la possibilité que les ovnis voyagent dans le temps. Les théories, les explications de Patrick Marquet vous ont-elles apporté les réponses à vos questions, justement, que vous vous posez? Écoutez, vous savez très bien dans ce dossier que vous connaissez aussi bien que moi, Oui. qu'il y a énormément de pages de ce dossier qui sont difficilement accessibles parce que elles sont complètement contraires à ce que nous appelons notre logique. Et la première question que je me suis longtemps posée quand j'ai commencé à gratter le dossier des ovnis et Oui. que j'ai éliminé évidemment 90 ou 95% de témoignages qui étaient pour beaucoup certainement sincères, mais qui étaient souvent des observations de quelque chose qui était parfaitement identifiable comme un satellite ou les phares d'atterrissage d'un avion qui est très loin, etc. Oui. Moi, ce qui m'a intéressé, ce sont les cas où l'OVNI s'est posé, où il était à quelques mètres de la personne qui était témoin, avec des traces dans le sol, enquêté par la gendarmerie nationale ou les services secrets, parce que ça, c'était du concret. Oui, comme Donc, l'histoire entre autres ce qui de m'a intéressé. Mass, hein, Maurice Mass, Comment? entre autres avec l'épisode de Maurice Oui, Mass, Maurice Masse. qui est très documenté, Entre quoi. autres, mais vous avez Entre autres, oui. des milliers de cas qui sont semblables à celui de Maurice Masse. Et ce qui a commencé à m'interpeller, ce sont des cas tout à fait extraordinaires, comme l'affaire du caporal Armando Valdés, je crois que c'était en 1973, Oui. au Chili, qui était à la tête d'une petite troupe militaire de 8 soldats. Ils étaient chargés de garder la frontière avec la Bolivie, parce qu'il y avait de la contrebande. Donc, il voit vers 23h30 en pleine nuit, il voit arriver une boule lumineuse, une grosse boule lumineuse. Il pense au départ que c'est un camion de contrebandiers. Et donc, ils se mettent en position d'intercepter le camion. Puis, ce n'est pas du tout un camion, c'est une boule qui arrive comme ça, qui dévale la colline. Oui. Alors, tout le monde se demande un petit peu ce qui se passe. Le caporal s'avance à la tête de ses troupes. Il s'approche de la lumière, il rentre même dans la lumière, et puis il disparaît. Et la lumière disparaît.
Évidemment, les soldats sont absolument stupéfaits parce que c'est totalement incompréhensible. Et un quart d'heure après, le caporal ressurgit à peu près au même endroit. Il a une barbe de plusieurs jours. Sa montre s'est arrêtée, mais elle indique 5 jours de plus, comme s'il avait voyagé dans le temps. C'est ce qui a commencé à m'interpeller. Ah. Est-ce que les ovnis ne voyageraient pas dans le temps? Mais s'ils voyagent dans le temps, est-ce que cette idée, qui est chère à la science-fiction, est recevable sur le plan de la physique fondamentale? Et Patrick Marquet a repris tous les calculs qui montrent que c'est parfaitement recevable. Et ce qui est extraordinaire, qui me fait faire un pas de plus dans les connaissances du dossier OVNI, c'est que ça permet d'expliquer énormément de choses. C'est-à-dire notamment pourquoi ils ne prennent pas vraiment contact avec nous. Puisqu'on voit des OVNI depuis des milliers d'années, dans tous les pays du monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie, en Europe, en Afrique, partout. Alors pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Eh bien, peut-être que la réponse, elle est là. Ils ne prennent pas contact avec nous parce que dans leur temps, à eux, ils arrivent. Il s'est peut-être écoulé 15 jours de notre temps ou 3 mois de notre temps, alors que nous, on les voit depuis des milliers d'années. Ça, c'est une première hypothèse. Et puis, vous savez que la Bible et d'autres livres sacrés comme le Coran ou le Mahabharata pour les hindous sont truffés de descriptions d'engins qui voyagent dans le ciel, de dieux qui descendent du ciel dans des engins bizarres qui sont baptisés de diverses façons. Même sur les pyramides, dans les pyramides en Égypte, il y a aussi des symboles qui intriguent beaucoup. Il y a des symboles qui intriguent et personnellement, j'ai été très frappé, je l'ai mis en exergue d'ailleurs de mon livre, par une citation de la Bible qui dit ceci: « Et pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. » On ne peut pas mieux résumer le voyage dans le temps. Oui, on pourrait imaginer si le voyage en gros, dans le temps, tout s'explique. On pourrait imaginer en gros une année chez nous, c'est peut-être l'équivalent d'une journée, d'un jour chez eux, quoi. Tout est possible. Le voyage dans le temps, on explique dans le livre, qui est accessible évidemment, comme toujours, à tous ceux qui n'ont pas fait forcément des études de physique supérieure. C'est vrai qu'il est très accessible. On l'explique avec des mots de tous les jours. Mais pour ceux qui ont le niveau maths sup, maths spé ou au-delà et qui veulent avoir des certitudes, il y a une 20aine de pages à la fin du livre où Patrick Marquet explique avec des formules mathématiques et physiques comment le voyage dans le temps est possible. Alors ce qui est intéressant dans ce que explique Patrick Marquet, c'est que il précise bien que le voyage dans le temps est possible, c'est-à-dire on peut remonter à 500 ans, à 1000 ans, à 2000 ans, mais on ne peut pas modifier le passé. Vous savez, c'est le paradoxe c'est ce du grand-père. Hein. Oui, oui. Je voyage dans le temps, je vais tuer mon grand-père, donc je n'existe plus. Non, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas modifier le passé. On ne peut que le regarder. D'accord. Est-ce que vous pensez, parce qu'on entend de plus en plus parler des trous noirs, est-ce que vous pensez que ça serait une forme de raccourci? Parce que c'est vrai qu'on a souvent pris, vous savez, cette image de la feuille blanche, c'est qu'on aurait un point A à un point B, et si on plie la feuille en deux, il y aurait une forme de raccourci peut-être qui leur permettrait de voyager beaucoup plus rapidement et de voyager dans le temps à travers peut-être les trous noirs. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, vous? Oui, c'est quelque chose qui tourne dans le milieu des scientifiques qui ne se contentent pas d'un univers de masse négative dans lequel les distances et la vitesse de la lumière sont différentes d'une autre, ce qui fait un facteur 1000, c'est-à-dire ce qui nous prendrait un an pour aller d'un point A à un point B, dans ce modèle Janus, en passant de l'autre côté dans l'univers de masse négative, ce serait 1000 fois plus rapide. Donc, ce serait quelques heures au lieu d'une année. Oui. Malheureusement, les calculs de Jean-Pierre ont été vérifiés par M. Damour de l'Académie des sciences 2 fois. Une fois, il y a 3 ans, en disant « c'est faux, les calculs sont faux » et Jean-Pierre avait commis une petite erreur, une petite étourderie. Donc, il a modifié les plus et les moins. Et il a dit « maintenant, mes calculs sont justes », sauf que Monsieur Damour a repris tous les calculs et il a dit non, malheureusement, les calculs de Monsieur Petit sont faux. Donc, moi, je suis un journaliste professionnel honnête.
à partir du moment où la personne avec laquelle je travaille Oui. produit des calculs qui ne correspondent pas à la justesse, je suis obligé de dire, bon, attendons que Jean-Pierre rectifie tout ça pour continuer notre collaboration. Bien sûr. En revanche, les calculs de Patrick Marquet, pour l'instant, sont justes. D'accord. Pouvez-vous nous parler du fameux épisode alors, qui est dans le bouquin de Tunguska, cette explosion, vous savez, gigantesque qui s'est produite à basse altitude en Sibérie en 1908 et dont nous sommes sans réelle explication. C'est vrai que c'est un petit peu le mystère. On dit que cela pourrait être une météorite ou un astéroïde qui aurait rebondi dans l'atmosphère. Que s'est-il passé d'après vous sur cet événement, hein, Jean-Claude? Vous savez, moi, je ne fais pas d'interprétation hasardeuse. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en 1908, il y a eu une explosion absolument gigantesque Ah ouais. qui a détruit, enfin, qui a cassé tous les arbres tous les arbres dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, qui a provoqué une illumination du ciel qui a duré plusieurs nuits. On voyait comme en plein jour à Paris pendant plusieurs nuits. Qu'est-ce que c'est que cette explosion unique dans l'histoire de l'humanité? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être un météorite qui s'est désintégré au dernier moment et puis l'onde de choc provoquée par son arrivée dans l'atmosphère a couché tous les arbres et a provoqué peut-être cette illumination du ciel. D'autres disent que c'est peut-être l'explosion d'un objet volant non identifié, hypothèse à laquelle je ne crois guère, pour la raison suivante, c'est que je pense que si une civilisation nous rend visite, elle a évidemment une avance assez considérable par rapport à notre technologie. Or, déjà, dans notre technologie, vous savez que les premiers avions qui ont commencé vraiment à voler, Oui. c'est juste après 1900. Donc, on a en gros 120 années d'expérience de l'aviation. Et en 120 années, on est parvenu à faire des engins qui ont une fiabilité absolument considérable. Il y a encore évidemment Tout à des fait. accidents d'avion, mais chaque année qui passe, il y en a de moins en moins par rapport au nombre de passagers transportés. Donc, j'imagine qu'une civilisation qui aurait ne serait-ce que 3000 ans d'avance par rapport à nous, or, une civilisation peut avoir 5 milliards d'années d'avance par rapport à nous. J'imagine qu'une civilisation qui aurait une telle avance n'aurait pratiquement jamais d'accident, parce qu'elle serait parvenue à la fiabilité absolue. Donc, c'est la raison pour laquelle je pencherais plutôt, en ce qui concerne la Sibérie, pour une météorite Oui. ou pour un phénomène naturel que pour une soucoupe volante. C'est intéressant ce que vous dites parce que, alors peut-être, oui, pas d'accident possible ou une fiabilité absolue, ce qui exclurait donc en fait, Jean-Claude, le fameux épisode de la zone 51 et le crash de Roswell. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Oui, je suis tout à fait en Réellement crash osmose ou il n'y a pas avec eu de ce que vous crash? venez de dire. Écoutez, je n'ai pas de renseignements autres que le résultat d'enquêtes Oui. qui sont assez sommaires, parce que je n'ai pas d'autorisation d'aller sur la base, Il y a eu je n'ai beaucoup de pas versions. d'autorisation d'aller fouiller dans les hangars dans lesquels il y aurait peut-être une soucoupe volante qui se serait écrasée, Oui. mais j'essaye de raisonner avec ce que le Créateur a mis entre mes deux oreilles, c'est-à-dire mon cerveau. Je me dis effectivement que s'il s'agit d'une civilisation venue d'un autre espace-temps et d'une autre planète ou d'autres planètes au pluriel, eh bien, ils ont une telle avance technologique par rapport à nous que je ne comprends pas comment ils peuvent s'écraser et comment il peut y avoir un accident d'objet volant non identifié. Je n'y crois pas. Alors peut-être que ça s'est réellement passé, parce que je n'ai pas du tout la prétention d'affirmer que mon analyse est la seule et la bonne, mais pour des raisons que je viens de vous exposer, je n'y crois pas. Je ne crois pas que des soucoupes volantes s'écrasent sur la planète Terre et que des petits bonhommes à l'intérieur soient tués. En revanche, je crois tout à fait ce qu'ont dit un certain nombre de personnalités, soit le président de la Russie, M. Medvedev, Oui. soit l'ancien ministre de la Défense du Canada, soit M. Chaim Eshed, qui est un général à la retraite de l'armée israélienne.
et qui disent il y a des extraterrestres parmi nous. Et ce que j'ai vécu comme expérience à TF1, Oui. j'en ai parlé très récemment, parce que maintenant je me moque, j'ai 82 ans bientôt, au mois de juillet 2023, je vais avoir 82 ans. Oui, parce que Donc j'ai c'est énorme, pratiquement hein, ce 82 cas. ans. Et C'est pour ça que... je me moque éperdument Oui. de ceux qui peuvent dire, ça y est, bourré est complètement gâteux, il voit des ovnis partout. Ouais. C'est tout à fait naturel, ça ne me touche absolument pas. Mais je le dis pour l'histoire, parce que un jour ou l'autre, dans un jour, dans un an, dans 10 ans ou dans 50 ans, on dira, bah voilà. Voilà qui explique ce que Bourré avait déclaré, Ouais, il y a c'est 50 énorme, hein, ans. Jean-Claude, à ce que Ils vous avez sont parmi vécu, nous hein. et ils ont la capacité de. Moi, je disais, c'est énorme ce que vous avez vécu, Jean-Claude. C'est pour ça que je vous demandais en début d'émission, est-ce que c'était peut-être l'élément déclencheur avec cette expérience incroyable que vous avez racontée. J'ai vu dans quelques médias, à TF1, c'était en plein journal télévisé, pour nous en dire quelques mots? Non, 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 c'était pas en plein journal télévisé. Je venais, comme chaque fois qu'un présentateur présente un journal télévisé ou une émission, Ouais. je venais de me faire maquiller. Je revois très, très bien la scène, je vois très, très bien le petit salon de maquillage où on maquillait évidemment le présentateur et puis les invités éventuels du présentateur. Donc je sors de ce salon de maquillage, je fais une dizaine de mètres et le salon de maquillage donnait directement dans le studio de la rue Cognac-G, dans le grand studio historique de TF1 qui n'existe plus puisque maintenant Oui, c'est Bouygues qui a c'est construit des ça. studios dans la tour Bouygues. Et en sortant, alors que j'allais m'asseoir dans ma chaise de présentateur et que j'allais être sous les spots pour présenter le journal à peu près 1 minute après, en marchant, je sens quelque chose qui pénètre dans mon cerveau. Et je n'ai pas du tout eu peur et j'ai tout de suite compris que c'était ou un être qui avait des pouvoirs tout à fait exceptionnels qui pénétraient dans mon cerveau, mais je ne savais pas pourquoi, ou que c'était un extraterrestre. J'ai pensé tout de suite à un extraterrestre. Pourquoi ai-je pensé à un extraterrestre? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ma mémoire a été effacée. C'est-à-dire que je suis incapable de vous dire qui je recevais. Je sais qu'il y avait une ou deux personnes au moins que je recevais dans ce journal. Et ce n'était pas un sportif qui avait gagné une épreuve. Je recevais souvent des sportifs, Wimbledon, Roland-Garros ou le Tour de France, etc. Je recevais souvent des acteurs de cinéma ou des Ouais. réalisateurs parce qu'il y avait des films qui sortaient, mais je recevais très rarement des politiques ou des sociologues ou des historiens. J'en ai reçu évidemment, mais au rythme peut-être de 5 ou 10 par an, alors qu'il y avait je faisais plus de 50 week-ends par an, donc j'avais plus de 100 journaux télévisés par an, et donc ça représentait très très peu par rapport aux vedettes du sport ou du cinéma ou du théâtre que je recevais. Donc ça aurait dû me marquer. Ça a été effacé. Vous n'avez plus aucun Et souvenir, quoi, en donc fait. j'ai des amis qui sont en train de rechercher dans les archives de l'INA De l'INA, ouais. la liste de tous mes invités de 1975 à juin 1987. Puisque j'ai été rédacteur en chef et présentateur des journaux de 13h et de 20h du week-end, Ouais. c'était dans un journal de 20h. Je ne pense pas que c'était pendant que je remplaçais mon collègue et confrère Roger Gicquel, qui faisait le 20h, parce que quand il partait en vacances, on me demandait de le remplacer. Je pense que c'était vraiment un week-end. Donc, j'espère qu'on va me communiquer un de ces jours la liste de tous les invités que j'ai reçus de Pour 1975 à savoir qui c'est. 87, ça fait en gros 12 ans, Oui. et c'est pas une liste très longue hein, d'invités qui ne soient ni des acteurs de théâtre ou de cinéma, ni des champions d'un sport quelconque. Oui, donc pour vous, c'est le trou noir, quoi. Vous vous rappelez de l'avant et de Pour l'après. l'instant, c'est le trou noir, et je ne suis pas loin d'être prêt à faire une séance d'hypnose, mais il faudrait que je tombe vraiment sur quelqu'un qui manie ça de façon très professionnelle pour essayer d'extirper de ma mémoire. Qu'on m'a dit, mais tu devrais faire une séance d'hypnose. Moi, je suis prêt à la faire, mais il faut que je tombe sur quelqu'un de tout à fait compétent et sérieux. Compétent, oui. Et oui, parce que je voyais hein, nos amis qui nous regardent là sur le chat, ils sont peut-être parmi nous. Alors oui, ils seraient parmi nous, parce que je me rappelle moi, de cette déclaration fracassante, vous devez vous en souvenir, Jean-Claude, de Paul Heyer.
Hélier, pardon, Paul Hélier, qui est l'ancien ministre de la Défense canadienne, qui en 2013 fait une déclaration quand même énorme en plein journaux télévisés, où il dit « ils sont parmi nous, il y a plusieurs races, il y a des petits gris, il y a des blancs nordiques qui ressemblent très proches, qui sont très proches de l'apparence humaine, qu'on pourrait rencontrer toujours sans s'en rendre compte ». Il avait été très très loin dans ses déclarations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, Jean-Claude? Ils sont parmi nous déjà? Ils nous ont déjà visités? Ils sont infiltrés, comme il disait. C'est une hypothèse qui ne me paraît pas complètement folle, pour la raison suivante, c'est que vous avez énormément de gens dans le monde qui croient à l'Ancien Testament. Bon, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, qui est commun aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît l'Ancien Testament comme étant un livre sacré, il est dit « les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre jolies, eurent commerce avec elles et leur firent des enfants », dès les premières lignes de la Bible. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction ou dans des livres que Bourré aurait écrit en pensant un peu n'importe quoi. C'est la Bible. Donc, à partir du moment où vous lisez ça, ce n'est pas plus extraordinaire ce qu'il y a dans la Bible que ce que dit M. Ayer, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui était ministre de la Défense du Canada, ou ce que dit d'ailleurs le président Medvedev quand il était président de la Russie, qui s'exprime, il ne sait pas qu'il est filmé, mais il y a une journaliste qui lui pose une question sur les ovnis, on retrouve la vidéo sur le web évidemment, et il dit la première chose qu'on nous donne quand on est le président d'un grand pays comme la Russie, c'est la liste des extraterrestres qui sont présents dans un certain nombre de gouvernements de la planète. C'est ça. Alors la journaliste, elle est morte de rire, parce qu'elle dit, il me raconte des histoires. Mais on voit que Medvedev est très sérieux. Alors si vous ajoutez à ça ce qu'a dit Haïm Eshed en Israël il y a un an, il a dit, bon, maintenant j'ai 86 ans, je peux parler, il y a des extraterrestres qui sont parmi nous, qui sont dans un certain nombre de gouvernements de la planète, et un certain nombre de ces gouvernements savent pertinemment qu'il y a des extraterrestres parmi nous, dont le gouvernement américain, bien sûr, le gouvernement canadien, le gouvernement israélien, le gouvernement russe, sans doute le gouvernement chinois, etc. Donc, voilà. Alors, ou ces gens-là disent des bêtises et on se demande pourquoi, ou alors ils disent la vérité, ou ils disent une partie de la vérité. Je suis en recherche. Oui, parce que c'est vrai que c'était... Moi, ça m'avait d'ailleurs étonné que ça n'avait pas fait plus de bruit que ça, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas non plus la personne lambda, Paul Hélier, ancien premier ministre de la Défense canadienne. Donc, c'est vrai que c'est assez étrange, et y a beaucoup, d'ailleurs, de témoignages qui vont dans ce sens-là. Je me rappelle, moi, d'une anecdote, d'une interview de Bill Clinton, quand il était président à l'époque des États-Unis, qui disait qu'il n'avait pas le droit, en tant que président, d'aller visiter la zone 51. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, Jean-Claude, parce qu'apparemment, il y aurait cette zone-là très mystérieuse, très surveillée, très gardée, et sur plusieurs étages. Et il y aurait dans cette base-là, d'après les dires de certains, qui l'armée américaine travaillerait avec des extraterrestres sur des nouvelles technologies. Et ça m'avait très, très surpris, parce que je me suis dit, un président n'a pas le droit d'aller sur la zone 51. Vous le savez, ça, Jean-Claude ? Vous savez, il suffit que vos téléspectateurs tapent Washington Press Club UFO. Et ils vont tomber sur une conférence de presse de 2010, que vous connaissez évidemment, où vous avez, une demi-douzaine d'anciens officiers supérieurs de l'armée américaine qui sont à la retraite maintenant, et qui disent, voilà, moi je suis un ancien officier de l'armée américaine, je suis à la retraite, je considère que je suis délivré du secret défense, mais voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, ils décrivent des choses absolument incroyables, qui montrent que nous sommes visités par les ovnis depuis très longtemps, dans l'histoire de l'humanité. Hein, je citais le Mahabharata des hindous il y a plus de 3000 ans, avec les Vimanas, qui sont des vaisseaux spatiaux dans lesquels les dieux, comme il est écrit, quelquefois se livraient bataille entre eux. Et puis, vous avez également dans la Bible plein de passages qui montrent que nos ancêtres ont été confrontés à des objets volants non identifiés. Vous avez le livre du prophète Ézéchiel, que les spécialistes connaissent bien, qui décrit l'atterrissage de 4 objets volants non identifiés avec des extraterrestres qui sortent de ces ovnis et qui les pilotent. C'est très clairement dit, décrit
dans la Bible. Donc, je pense que l'origine de toutes les religions, y compris d'ailleurs l'islam, parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'origine de toutes les religions. Bien sûr. Alors, l'islam est beaucoup plus récent évidemment que les autres religions. Mahomet est mort en 632, au mois d'avril ou mai 632, selon les sources, et il n'avait pas encore écrit le Coran, qui a été écrit un petit peu après sa mort, de mémoire, parce que ses disciples avaient pris des notes sur des omoplates de chameau ou sur des peaux de chèvre, etc. Mais dans le Coran, vous avez la sourate 53, l'étoile, qui est une sourate extrêmement importante pour les musulmans, puisque c'est dans cette sourate qu'est décrit l'arrivée du Coran sur terre. C'est-à-dire que Mahomet dit, voilà, j'ai vu descendre du ciel quelque chose. À l'intérieur de ce quelque chose, il y avait l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Donc ce quelque chose était piloté. Je l'ai vu à moins de deux portées d'arc, c'est-à-dire à peu près 50 mètres. Une portée d'arc, c'est 50 mètres. Donc deux portées d'arc, ça fait une centaine de mètres. Et même plus près, est-il écrit dans la sourate 53. Et puis, l'archange Gabriel s'est adressé à moi en disant, je suis l'envoyé de Dieu, tu vas écrire ce qu'il a à te dire, et c'est comme ça que le Coran a été donné au monde entier, notamment évidemment aux musulmans. Alors, la sourate 54 d'ailleurs enchaîne, puisqu'elle dit, et la lune s'est fendue, s'est coupée en deux, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle sur tous les drapeaux des pays musulmans, vous avez à la fois l'étoile qui symbolise la sourate 53, si importante pour l'islam, et la lune qui symbolise la sourate 54, et qui est aussi la lune qui déclenche le ramadan et qui permet de terminer le ramadan. Donc, on voit toujours dans toutes les religions que c'est quelque chose qui descend du ciel, qui s'adresse à l'un de nos ancêtres, et ça devrait interpeller tout homme de bonne volonté. Il ne s'agit pas de critiquer ou de... de porter préjudice à une quelconque religion. Il s'agit d'essayer de comprendre. Si celui qui nous a créés, ou les intelligents qui nous ont créés, ne voulait pas que nous comprenions et voulait qu'on soit à genoux en train de crier toute la journée, c'était très facile, hein, puisqu'ils avaient la puissance de la création. Mais à partir du moment où on a la liberté de penser et de dire « je pense que j'analyse cela », c'est qu'il a bien voulu. Bien, alors Jean-Claude, vous évoquez dans votre livre l'évolution de notre connaissance. Patrick Marquet affirme que depuis des siècles, plusieurs civilisations avancées utilisent le chemin temporel pour venir nous visiter régulièrement, sans toutefois interférer dans notre quotidien, et que cela expliquerait pourquoi les contacts du troisième type sont inexistants. Que pensez-vous de cette affirmation, Jean-Claude ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a rencontre du premier type, deuxième et troisième type. Cette explication, cette analyse, parce que Patrick Marquet est un scientifique de haut niveau, mais c'est un homme ouvert, il s'intéresse à la vie extraterrestre comme tous les astrophysiciens, il a travaillé un peu avec des astrophysiciens aussi, on est obligé de se poser des questions. Regardez, moi, qu'est-ce que j'ai vécu en plus de 50 ans de cartes de presse ? Eh bien, j'ai vécu d'abord les journalistes, les confrères, qui me disaient « Mais Jean-Claude, arrête avec tes bêtises, les soucoupes volantes. Il n'y a pas de planète tournant autour des étoiles. » On le sait, on regarde les planètes, on regarde les étoiles avec les télescopes les plus puissants, comme celui du Mont Palomar, qui est un miroir de 5 mètres, on n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une étoile. On m'a dit ça pendant plus de 30 ans. Oui. Et puis, en 1994, de mémoire, on a découvert la première exoplanète. D'ailleurs, c'était l'Observatoire de Haute-Provence qui a réussi cet exploit, avec un miroir qui n'est pas énorme, je crois qu'il fait moins de 2 mètres, 1,70 m ou 1,90 m. Et ça a valu d'ailleurs un prix Nobel récemment aux deux Suisses qui ont découvert la première exoplanète. Donc, on découvre la première planète tournant autour d'une étoile. Puis une deuxième planète, puis une vingtième, une 200e, une 2000e. Et maintenant, il y a 4 ou 5 ans à peu près, la NASA a fait un communiqué en disant
nous estimons à plusieurs milliards le nombre de planètes habitables dans notre seule galaxie, et le nombre de galaxies est passé de 100 milliards à 2000 milliards. Donc, on est évidemment dans un univers dont on ne peut même pas imaginer l'immensité, et dans cet univers qui correspond à des dizaines de milliers de milliards de galaxies, je rappelle qu'une galaxie, c'est un agglomérat d'étoiles et de planètes entre 100 milliards et 900 milliards, disons, pour fixer les idées. Oui, c'est énorme. Partout autour de nous. Alors, évidemment, intimement persuadé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers à cause de ça. Exactement. Puis je dirais même, penser l'inverse serait absurde, parce qu'on n'a tellement rien découvert. J'ai vu récemment qu'ils ont découvert peut-être une autre planète qui serait la Lune de Mars, qui pourrait peut-être accueillir de la vie. Mais c'est vrai qu'avec le satellite Hubble, hein, qui est très puissant, on en découvre, comme vous dites, hein, Jean-Claude, pratiquement tous les jours. Ils n'ont rien exploré encore. Il y a tellement de choses à découvrir. Ou alors, il y a plein de choses qui ont été découvertes, mais on ne sait pas tout, Jean-Claude. Oui, il faut aller sur le site de la NASA, sur le site de la NASA, où vous avez les images de Webb. Webb, c'est un télescope absolument extraordinaire avec un miroir de plus de 5 mètres de diamètre, qui est à 1 500 000 km de la Terre, entre la Terre et le Soleil, et qui fait des images d'une qualité absolument prodigieuse. Rien que pour la beauté des images, allez sur le site de la NASA. Mais surtout, ça permet de comprendre qui nous sommes, parce que nous voyons des galaxies qui sont merveilleusement photographiées. Et je rappelle qu'une galaxie, c'est des centaines de milliards de soleils, plus ou moins grands que le nôtre, autour desquels tournent des étoiles. Et quand vous avez une galaxie qui fait, comme la nôtre, à peu près 200 à 300 milliards d'étoiles, on ne sait pas combien, parce que nous, on est dans la tranche de la galaxie. Donc, on la voit comme ça, par épaisseur. Eh bien, sachant que au moins une étoile sur deux entraîne un cortège de planètes qui peut être de 10, de 20 ou de 30 planètes, ce qui fait que s'il y a 200 milliards de soleils, c'est-à-dire 200 milliards d'étoiles, il y a peut-être 10 000 milliards de planètes dans une seule galaxie. Et il y a des milliers de milliards de galaxies. Vous voyez, c'est prodigieux tout ça. Eh ben, évidemment, la vie foisonne. Et nous, notre Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Elle a été créée par des atomes qui ont pratiquement l'âge de l'univers, c'est-à-dire près de 14 milliards d'années. Alors, ces atomes ont été formés au cours des premières centaines de milliers d'années après l'explosion du Big Bang, puis ils se sont refroidis, ils se sont agglomérés, ils ont fait des étoiles, ils ont fait des planètes, etc. Et ce processus dure depuis près de 14 milliards d'années. Alors, à un moment donné, ils se sont concentrés, ces molécules et ces atomes se sont concentrés, ont créé notre galaxie qui comprend 200 à 300 milliards de soleils et peut-être beaucoup plus de planètes, et le processus, en permanence, fabrique des étoiles, fabrique des planètes depuis 14 milliards d'années. Quand on a conscience de ça, on se dit évidemment on n'est pas seul, et dans la hiérarchie des intelligences, on est plus près de 0 que de 20. Oui, parce que c'est vrai que ça a évolué énormément. Comme je dis souvent, nous, déjà, on pourrait passer pour des extraterrestres. On a vu la technologie qui a évolué à une vitesse grand V depuis ces 10-15 dernières années. Je dirais, si on pouvait inventer des machines pour remonter le temps, Jean-Claude, on irait même, ne serait-ce que dans les années 1900, on passerait même nous-mêmes pour des extraterrestres avec nos téléphones portables, écrans plats, les voitures électriques avec des écrans tactiles, etc. Et comme vous le dites, il suffit qu'il y ait une civilisation qui a un milliard d'années d'avance. C'est considérable, quoi. Sur la race humaine. Est-ce que vous pensez que c'est bientôt le contact, Jean-Claude? Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans la presse. D'ailleurs, le Pentagone, comme vous le savez tous, a créé une cellule bien spéciale pour la recherche d'objets non identifiés, volants non identifiés. Est-ce que vous pensez que la rencontre est proche, ou le contact est proche, ou la révélation est proche, Jean-Claude? Je ne sais pas ce qui se passe. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'en plus de 50 ans d'enquête professionnelle journalistique sur les ovnis, c'est la première fois que je vois une telle convergence de déclarations. Alors, les Chinois qui ont fait déclarations, les Russes qui ont fait déclarations, les Israéliens qui ont fait des déclarations, les Canadiens qui ont fait déclarations, et surtout les Américains. Et je retiens de toutes les déclarations qui ont été faites au cours des deux dernières années,
celle du chef d'état-major de l'armée de l'air des États-Unis, qui est allé envoyer ses avions les plus puissants pour détruire des sortes de ballons qui venaient de Chine via les courants aériens. Alors, il y en a un premier qui a été abattu, puis il y en a deux ou trois autres plus petits qui sont arrivés et qui ont été également abattus par l'avion le plus puissant dont dispose l'armée américaine, c'est-à-dire un Raptor, qui est monté très haut dans l'atmosphère à plus de 20 km d'altitude, mais qui n'avait pas encore la puissance nécessaire pour monter encore plus haut et s'approcher de ces objets volants non identifiés au sens large. Et un journaliste américain a demandé au chef d'état-major de l'armée des États-Unis, mais monsieur mon général, quand vous dites UFO, quand vous dites OVNI, est-ce que vous parlez éventuellement aussi d'OVNI extraterrestres? Il a dit, je n'exclus aucune hypothèse. Alors ça, c'est une réponse formidable, mais qui ne m'a pas étonné, car dans mes tout premiers livres, qui viennent d'être d'ailleurs réédités, La nouvelle vague des soucoupes volantes, OVNI, l'armée parle, etc. Eh bien, dans mes tout premiers livres, j'avais publié les photocopies de documents ultra secrets de l'armée américaine, rédigés par le chef du renseignement de l'armée des États-Unis à l'époque, c'est-à-dire on était en 43 et en 47, adressés aussi au président des États-Unis, documents qui ont été déclassifiés 40 ans après. Et déjà en 1947, on disait au plus haut niveau de l'armée américaine, les soucoupes volantes, flying saucers, c'est quelque chose de réel, ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète, et nous étudions le dossier. Et 70 ans après, on veut nous faire croire que les Américains continuent à travailler le dossier et qu'ils ne savent pas ce que c'est. À mon avis, ils savent ce que c'est, mais ils ne le disent pas pour des raisons qu'on comprendra un jour, soit pour ne pas affoler les populations, soit peut-être, comme l'a dit le général israélien, parce qu'il y a une collaboration entre certains États, certains scientifiques et ces êtres venus d'ailleurs, qui font progresser notre planète qui en a bien besoin. Oui, parce que c'est vrai que souvent on dit ben pourquoi ils ne nous contactent pas, pourquoi il n'y a pas encore le contact. C'est vrai que ça pourrait mettre en cause beaucoup de choses, Jean-Claude. C'est vrai qu'on imagine la chose toute bête, ils arriveraient là sur notre planète en disant voilà, si vous prenez cette petite pilule, ça guérit le cancer, ces pilules, ça guérit telle maladie. Ça crée un dysfonctionnement énorme sur notre planète, Jean-Claude. Hein. Il y a ça aussi, hein, que ça a un rôle important là-dessus. Ouais. Je l'ai souvent expliqué dans les quelques conférences que j'ai prononcées. Souvent, les gens ont une vision extrêmement simpliste de la vie extraterrestre. Ils me disent, écoutez, vos histoires d'OVNI, là, si c'était vrai, il y a longtemps qu'ils auraient pris contact avec nous. Alors ça, c'est le degré zéro du raisonnement. Moi, ça fait 50 ans que je travaille là-dessus, que je lis sans arrêt des enquêtes officielles ou pas officielles, d'ailleurs. Et je leur dis, écoutez, imaginez qu'effectivement, ils prennent contact avec nous et qu'ils nous disent, voilà, vous envoyez vos enfants à l'école depuis l'âge de 3-4 ans, à la maternelle, jusqu'à 30 ou 35 ans, pour ceux qui font des études très, très supérieures. Alors, nous, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, vous asseyez dans le fauteuil, on vous met ce petit casque sur la tête, on appuie sur un bouton et en 2 secondes, vous avez toute la connaissance du monde. Donc, toutes les universités, toutes les écoles... tous les instituts disparaissent, ils n'ont plus d'utilité. Ensuite, ils vont nous dire, vous avez des petites maladies ridicules, le cancer, etc. Ouais, c'est ça. Bon, vous prenez cette pilule, effectivement, hop, ça guérit tout, et vous n'avez plus du tout de maladie. Alors, toutes les pharmacies, les médecins, les infirmières, les hôpitaux, tout ça disparaît. Et tout serait comme ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en faisant le bien dans leur idée à eux, ils nous détruiraient complètement. Donc peut-être qu'ils ont un sens de la responsabilité, ils se disent, il faut que les terriens continuent à progresser sur le chemin de la connaissance, et puis peut-être qu'un jour ils arriveront à un degré suffisamment élevé d'intelligence et de conscience et de culture, et à ce moment-là, le contact officiel, entre guillemets, pourra avoir lieu. Mais quand on regarde un peu la façon dont nous vivons, et je regarde très peu la télévision parce que j'ai fait ça pendant plus de 50 ans, Et je regarde juste un peu les principaux titres des journaux télévisés le soir. Et là, nous sommes, je ne sais plus quelle date, on est le 20.
On est le 20 juin 2023. J'ai regardé, j'ai zappé un peu sur France 2 TF1. On voit quoi? On voit des agressions extrêmement violentes entre individus. Là, c'était une grand-mère et sa petite-fille qui avaient été violemment agressées à Bordeaux. On voit des gens qui viennent d'Afrique, des immigrés pour la plupart, et qui coulent en mer parce que y a un problème avec leur bateau, il y a 100 ou 120 noyés, c'est une horreur absolue. On voit des gens qui crèvent de faim, on voit des gens qui ont des fortunes immenses, et puis d'autres qui crèvent c'est de faim, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, qu'est-ce que c'est que cette planète Terre? Comment se fait-il que, malgré les progrès, nous n'ayons pas réussi à faire en sorte que chacun ait un petit bout de bonheur? Alors, peut-être qu'une intelligence extraterrestre se dira qu'ils ne sont pas encore au niveau pour qu'on prenne contact avec eux. C'est une hypothèse. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que c'est ce que j'allais dire, Jean-Claude. C'est vrai qu'en 2023, c'est quand même affligeant, le comportement humain et tout ce qui se passe sur cette planète. C'est vrai qu'est-ce qu'ils vont faire le contact ou pas avec cette race humaine qui est un petit peu borderline, comme je dirais. On peut se poser des questions. Alors, c'est vrai que je vois sur le chat, et commencez à préparer vos questions, les amis, puisqu'on terminera avec les questions pour Jean-Claude sur le chat. Qu'est-ce que vous pensez du fameux Blue Book, Jean-Claude? Ce mystérieux Blue Book. J'ai le livre du projet Blue Book dans l'une de mes bibliothèques, là, derrière moi. Je l'avais lu, il est sorti dans les années 60 et quelques, avec le professeur Heineck. Oui. On a très vite su que le gros budget, puisque je crois que c'était plus de 500 000 dollars, le gros budget de l'époque qui avait été donné aux professeurs divers et variés qui faisaient partie du projet Blue Book, c'était pour calmer un peu l'inquiétude de l'Amérique profonde, qui se demandait ce que c'était que ces histoires de flying saucers, de soucoupes volantes qu'on voyait partout, décrites dans les journaux, qui souvent exagéraient pour vendre du papier. Donc, on sait très bien que le projet Blue Book n'est pas du tout sérieux. Donc, il faut quand même gratter. Quand on s'intéresse aux ovnis, il faut aller chercher les bons livres qui font vraiment des enquêtes sérieuses. Oui, parce que voilà, c'est vrai qu'il y avait tout un mystère autour de ce livre qui disait que chaque président ou chaque gouvernement avait ce livre qui disait un petit peu la procédure jusqu'au contact avec des extraterrestres ou des personnes venant de d'autres planètes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de versions, le Blue Bean, le Blue Book, et c'est vrai que les gens ils perdent un peu leur latin là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Claude, il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de dossiers déclassifiés par l'US Navy qui, pendant un certain temps, les vidéos, c'était du fake, c'était un ballon sonde. À chaque fois, ils détournaient le sujet. Puis maintenant, ce sont des réelles vidéos. Et puis, on voit que chaque gouvernement alloue quand même un budget considérable sur ses recherches, quoi. Donc, c'est pas pour rien, quand même. On peut se poser la question. Oui, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient vraiment découvrir quelque chose, ces gouvernements, puisqu'il y a encore un budget de je ne sais plus combien, 30 ou 300 millions de dollars, je ne me souviens plus du nombre exact, ce qui est rien par rapport au budget américain qui est de 840 ou 850 milliards de dollars, le budget de l'armée américaine. Et avec la guerre en Ukraine, ça ne va pas baisser. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont officiellement dit qu'ils dégageaient quelques dizaines ou quelques centaines de millions de dollars pour étudier les ovnis. Je ne sais pas pourquoi des documents filmés de l'armée, de l'air et des États-Unis ont été révélés. Hein, c'est l'histoire du porte-avions Nimitz, avec ses chasseurs F-18 a filmé et poursuivi en vain des ovnis. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, une sorte de dévoilement progressif de l'armée des États-Unis qui n'est pas innocente. Dans quel but? Est-ce que c'est pour nous préparer à une révélation choc? Je ne le sais pas, mais il se passe vraiment quelque chose. Oui, parce que c'est vrai qu'autant, il y a quelques années en arrière, on en parlait de temps en temps, et puis quand on dit qu'il y avait un phénomène, c'était souvent des railleries, c'est un balançon, etc. Et puis depuis ces 5-6 dernières années, ça n'arrête pas dans la presse, partout, et des apparitions, etc. Est-ce que c'est le contact? Peut-être pas, mais est-ce que c'est, comme vous dites, Jean-Claude, une révélation peut-être fracassante, imminente?
On va prendre des questions sur le chat de Maxime. Je vois qu'il nous dit sur le chat le livre rejoint, alors votre livre, hein, Les Omnivoyages dans le temps. Est-ce que le livre rejoint le programme scientifique de Caroline Corrie, Tears in the Sky, Jean-Claude? Bon, ben, je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas répondre. Alors, on ne sait pas qui c'est, donc tu reformules peut-être ta question, Alban. Autre question de Sony, question en direct. Tac, si j'arrive à l'afficher, voilà Sony, qui nous dit, est-ce que nous serons capables de voyager réellement dans le temps, Jean-Claude? Bon, Patrick Marquet répond de façon très claire à cette question, la réponse est oui. Dans quelles conditions? Il dit, nous n'avons pas encore les ordinateurs, la puissance de calcul nécessaire pour aller jusqu'au bout. Bon, et qui seront sans doute au point dans les 10 ou 20 ans qui viennent, on fera certainement un pas très important dans la possibilité de construire une machine à voyager dans le temps, dont il voit la réalisation réelle avant la fin du siècle. Oui, Alain, une question? Non, je disais quand même. Alors, question de Belka qui nous dit les gouvernements préparent des armées dites de l'espace. Faut-il se poser la question pourquoi et pour qui, Jean-Claude? Oui, alors ça, c'est une très bonne question parce que vous avez remarqué que dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, bon, vous me direz que c'est le rôle des gouvernements, quels qu'ils soient, de protéger leur population de tout danger, fût-il inconnu, la première chose qu'on fait, c'est d'armer. On met au point une armée de l'espace, des satellites de combat, etc. Oui. Donc, ça incite pas peut-être forcément une civilisation qui aurait atteint une certaine sagesse, parce qu'elle aurait quelques milliers ou quelques millions d'années d'avance par rapport à nous, dire, bon, mais ces gens-là, ils sont impossibles, hein, c'est comme quand vous rentrez dans une cour de ferme et que vous avez deux chiens qui vous sautent dessus en aboyant, vous dites, bon, ben, pas très, très bien accueillis dans cette ferme, mais bien, ils sont pas très, très bien accueillis non plus sur la planète Terre. Vous savez, dans une bande dessinée que j'ai publiée à partir des rapports les plus étonnants des différentes armées du monde, OVNI, oui. La révélation d'un secret OVNI, aux éditions AEH, on le trouve très facilement sur le web. J'ai publié l'histoire de ces objets volants non identifiés qui ont été détectés par le radar du Nimitz et poursuivis enfin en vain par des F-18. C'était en 2004, si ma mémoire est bonne, donc il y a une vingtaine d'années. Oui. Et on n'a pas de réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?». Et depuis, vous avez eu des tas de personnalités de haut niveau qui ont révélé qu'elles avaient été en contact avec des phénomènes totalement inconnus. Je répète la conférence de presse au Press Club de Washington en 2010, où vous avez des officiers supérieurs qui étaient chargés, par exemple, de tirs de missiles nucléaires balistiques. Ils étaient en sous-sol, dans le bunker, et puis en plein jour à l'extérieur, vous avez les gardes qui ont vu un OVNI, et quand l'OVNI a survolé la base, eh bien, tous les missiles nucléaires qui étaient verts, c'est-à-dire les lampes étaient vertes en disant prêt à tirer si jamais on est attaqué par la Russie, sont passés au rouge, c'est-à-dire il y a un problème technique, on peut plus tirer ces missiles. Oui. Donc ça a été quelque chose d'absolument colossal qui a vraiment bougé les plus hautes autorités américaines, et ça c'est il y a 50 ans. Donc vous imaginez bien qu'en 50 ans ou en 70 ans, puisque j'ai parlé de 1947 tout à l'heure, un rapport ultra secret envoyé au président des États-Unis, les Américains, au plus haut niveau, doivent à peu près savoir ce qui se passe. On pense aussi. Autre question de Fernand sur le chat. Que pensez-vous, Jean-Claude, des glissements temporels que certaines personnes subissent? Alors, les glissements temporels, c'est peut-être la capacité que certains d'entre nous ont avec un cerveau qui fonctionne un peu mieux que les autres cerveaux, d'utiliser les possibilités de la physique quantique. Et la physique quantique, c'est une physique qui est assez récente,
complètement déstabilisante, puisque là, on est dans l'absurdité la plus totale. Hein, c'est le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Donc, ce sont des notions qui sont très difficiles à admettre pour un esprit rationnel qui n'y est pas préparé, de la même façon que les photons qui constituent la lumière passent à la fois par deux trous. Donc, si c'est corpusculaire, comment peuvent-ils passer à la fois par deux trous? Et si c'est simplement des ondes, comment peuvent-ils passer à la fois aussi par deux trous? Donc, vous voyez, il y a dans la physique que l'on a découverte il n'y a pas très longtemps, après Einstein, disons depuis 70 ans à peu près, nous avons des notions qui sont très difficiles à comprendre. Et je crois que c'est Schrödinger qui avait dit « Celui qui me dit qu'il comprend la physique quantique est un fou. » Il n'a pas tort. Oui, et puis quand il y aura les ordinateurs quantiques à grande échelle, ça va, je pense, il y aura un gros bouleversement dans notre société. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des ordinateurs dont la capacité de calcul augmente d'année en année, avec, par exemple, pour la plupart d'entre nous, des i7 ou des i9 en tant que microprocesseurs, qui sont capables de faire plusieurs millions d'opérations par seconde, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Sauf que là, si on passe en quantique, ce n'est pas 4 millions, 5 millions, 6 millions, c'est 1000 milliards de milliards de milliards par seconde. On saute une valeur considérable. C'est la différence, si vous voulez, entre le Concorde et puis un Solex ou un vélo. Oui. Donc, on est dans une autre dimension de la puissance de calcul. Alors, on arrive bientôt au terme de notre entretien avec Jean-Claude. Quelques questions courtes. Ça, c'est bien, parce que je sais que ça va faire plaisir à ma famille qui me dit « Mais qu'est-ce que tu vas encore parler des ovnis à la télé ?» C'est pas la télé, c'est pour des amis. Des heures, Jean-Claude, on est passionné de tout ça. On vous écouterait pendant des heures. Parce que quand on est passionné, on compte pas, comme on dit. Alors, quelques questions, les amis, sur le chat. Allez-y, avant qu'on quitte avec Jean-Claude et qu'on libère Jean-Claude. Pour vous, en attendant les questions, Jean-Claude, est-ce que vous pensez qu'on aura des révélations d'ici ces 5-10 prochaines années? Je ne sais pas comment pourrais-je avoir la prétention de donner une réponse à cette question pertinente que je me pose également. Ce que je souhaiterais, c'est qu'avant de disparaître, puisque ça ne va pas tarder, hein, j'ai 82, j'ai quand même la réponse à ma question. Ce qui me donne quand même une certaine satisfaction, parce que je peux vous dire que je suis un petit-fils de paysan d'Ardèche et de Lozère, très solide sur mes jambes et très clair dans sa tête, c'est que les atteintes qu'on a essayé de me porter par moquerie ou par dérision ne m'ont jamais touché. Ça ne me touchait pas parce que je connaissais le dossier et je me disais, ça c'est quelqu'un qui se moque de moi, mais il connaît pas le dossier, voilà. Et maintenant, je me rends compte à la fin de ma vie qu'on parle des ovnis partout, que c'est crédibilisé au plus haut niveau des plus grands états du monde, que toute la presse mondiale fait des articles en long, large et en travers sur les objets volants non identifiés, non pas comme je l'ai vécu il y a 50 ans pour dire « il faut qu'ils arrêtent de boire, ils sont tous bourrés si vous me permettez le jeu de mots », mais pour dire « bon, il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est et on espère qu'on va le découvrir ». J'espère que avant d'aller voir dans un autre espace-temps ce qui se passe, j'aurai la réponse à ma question. Mais je sais que le dossier des ovnis est incontestable, qu'il est solide, qu'il est à l'origine de toutes les religions de la planète Terre. Et c'est là-dessus peut-être que je ferai, si vous me le permettez, ma conclusion. C'est-à-dire que si les gens connaissaient bien le dossier des ovnis, s'ils comprenaient que l'origine de leur religion, quelle qu'elle soit, c'est un contact qui a eu lieu entre nos ancêtres et une ou des civilisations extraterrestres, ça serait la paix dans le monde, parce qu'il n'y aurait plus de guerre de religion. Oui. Dernière question, Jean-Claude, vu qu'on est nous sur le thème du paranormal, et qui est très proche du domaine UFO, parce que c'est toujours des phénomènes, dans les grandes lignes, pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous croyez en une vie après la mort, Jean-Claude? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Bien. Pour une raison purement physique, qui est très simple. C'est que nous sommes constitués par des atomes. Vous voyez mon nez là, mes lunettes, mes cheveux, mon ordinateur, la caméra qui nous filme, tout ça, ce sont des atomes.
ce que les gens ne savent pas, ça c'est un truc extrêmement banal que je vais dire, pardon pour les scientifiques qui éventuellement regardent, mais je me rends compte à chaque fois que je dis ça, les gens me regardent avec des yeux gros comme ça, et qu'est-ce qu'ils racontent bourré ? Oui, nous sommes constitués par des atomes. Ces atomes ont l'âge de l'univers. Les dents avec lesquelles vous avez mangé votre repas, elles mâchouillent d'autres atomes qui ont l'âge de l'univers. Les carottes râpées que vous avez mangées, le vin que vous avez bu, l'eau que vous avez bu, sont constitués par des atomes qui ont presque 14 milliards d'années. Ces atomes sont quasiment indestructibles. Mais l'homme, évidemment, qui est un destructeur, a parvenu à détruire quelques atomes. Par exemple, Hiroshima, peu de gens le savent, mais la bombe d'Hiroshima, c'est la destruction d'un peu plus de 2 grammes d'atomes. Nagasaki, c'est la même chose. Plutonium, uranium, peu importe d'ailleurs l'origine. La destruction des atomes qui contiennent une énergie absolument prodigieuse et qui ont l'âge de l'univers dégage une énergie incroyable qui est celle de la bombe ou des bombes atomiques. Donc ça, les gens ne le comprennent pas, ne le savent pas. Donc la mort, pour reprendre votre question, qu'est-ce que c'est ? C'est la dissociation des atomes qui, en s'associant de façon à créer une cervelle, un langage, etc., créent un être vivant. Mais à partir du moment où les atomes se dissocient, ils ne disparaissent pas. C'est comme un jeu de construction. Vous prenez un jeu de Lego, vous ouvrez la boîte, vous construisez un petit bonhomme, il est là. Et puis vous démontez le petit bonhomme, vous le remettez dans la boîte de Lego, vous ouvrez le couvercle, vous ne voyez pas, et pourtant il est là intact. Il n'y a pas une pièce qui a disparu. Il n'y a pas un de vos atomes qui va disparaître quand vous mourrez. Et je pense que les atomes ont la capacité d'enregistrer en permanence ce qu'ils vivent depuis 14 milliards d'années. Et donc on rejoint la connaissance initiatique de certaines religions qui disent au jour du jugement dernier, on saura exactement ce que tu as fait, ce que tu as pensé, seconde par seconde. C'est tout à fait possible maintenant. On commence à envisager que les atomes aient la capacité d'enregistrer en permanence tout ce qu'ils vivent. Oui, et puis après, c'est vrai que c'est après, pour revenir un petit peu au phénomène OVNI, l'existence de l'univers, on l'estime à 14 milliards d'années, comme vous le dites Jean-Claude, 4 milliards et demi d'années pour la planète Terre. Il s'en est passé des choses avant, donc on imagine bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à découvrir. On va prendre une dernière question sur le chat. Avez-vous déjà reçu des menaces pour vous faire taire, Jean-Claude, sur tout ce que vous avancez ? Jamais, aucune menace. Bon, voilà, parfait. Je me demande... En revanche, je l'ai raconté il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu de la part d'un correspondant américain de haut niveau scientifique, il y a une trentaine d'années, pour l'un de mes livres, une photo de The Invisible College, le collège invisible, où il y avait une réunion d'une quarantaine de scientifiques américains, toutes tendances confondues. Quand je dis toutes tendances, c'est toutes sciences confondues. Oui. Et cette photo, je l'ai reçue, elle devait être publiée dans l'un de mes livres à l'époque, hein, il y a 35 ou 40 ans. Et puis, je l'avais mise sur mon bureau avant d'aller travailler à TF1, et quand je suis revenu, la photo avait disparu. Alors, j'ai tout de suite demandé à ma femme, « Qu'est-ce que tu as fait de la photo ?»« Mais tu sais très bien que je ne touche jamais tes affaires. » Et la photo, je me souviens très bien, je l'avais mise par sécurité, sous une règle en fer, parce que je me disais, si jamais on ouvre une fenêtre, je ne voudrais pas qu'elle s'envole. Donc, c'était impossible qu'elle disparaisse. Et cette photo a disparu. Donc, ça m'a intrigué, comment une photo... C'est vous qui avez vu cette anecdote, Jean-Claude. On vous avait cambriolé et on vous avait juste volé que cette photo. Ouais, c'est vrai que j'avais vu cette anecdote. Ouais. Incroyable. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, je disais, oui, j'avais vu cette anecdote que vous avez racontée suite à ce cambriolage. On vous avait volé que cette photo, en fait. Rien d'autre. Oui, mais c'est un cambriolage, si vous voulez, sans effraction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais une porte blindée à 2P 3 étoiles, pour ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire le plus haut niveau de sécurité, il n'y a pas eu la moindre trace de crochet ou de serrure forcée. Cette photo a disparu. J'en ai parlé à l'époque, puisque je suis toujours conseiller du directeur de la gendarmerie nationale pour la communication, j'en ai parlé au directeur qui m'a dit, alors au lieu de me dire « arrête avec tes histoires d'OVNI », il m'a dit « non, mais ça, je pense que c'est un service secret qui a dû venir
te la prendre. Je dis, ah, le service secret qui va me prendre une photo de gens qui s'intéressent aux ovnis aux États-Unis. Ah, mais je vais te mettre en contact avec les services secrets français. Donc, j'ai tenu rendez-vous. Je suis allé voir quelque part trois hauts responsables du renseignement français. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est que ils étaient, comme le directeur de la gendarmerie de l'époque, il y a 40 ans, ils étaient persuadés que c'était un service secret quelconque, peut-être russe, qui avait pénétré chez moi. Mais j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. S'ils savaient que je recevais une photo des États-Unis qui était importante, il suffisait qu'ils fracturent ma boîte aux lettres. C'est quand même plus facile d'ouvrir une petite boîte aux lettres que de pénétrer chez quelqu'un qui a une porte blindée, une serrure haute définition. Elle me dit, ah non, mais c'est comme ça, c'est la procédure et tout. Bon. Ce qui m'a le plus surpris, c'est pas qu'on ait volé ma photo, c'est que les services secrets français me disent, oui, ça c'est des services secrets étrangers, probablement le KGB. À l'époque, il y avait encore Encore le l'Union KGB, soviétique. ouais. Ouais. Incroyable. Bon, mais merci Jean-Claude. Je rappelle donc pour tous ceux qui nous regardent le livre, le dernier livre, Tout frais, tout chaud d'Alain, de Jean-Claude Bourret, Les ovnis, voyage dans le temps aux éditions Guy Trédaniel. Vous avez le lien dans la vidéo, sous la vidéo, juste sous la vidéo pour ceux qui veulent se le procurer. Je présente aussi également, alors c'est le livre bande dessinée qu'on parlait tout à l'heure, hein, OVNI, également aux éditions A&H. Donc dans cette BD, en fait, Jean-Claude, il y a que des vrais rapports, hein, d'après ce que j'ai compris, hein. Je ne l'ai pas reçu, celui-ci, mais... Oui, c'est uniquement dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs, dans les deux livres, mais il y a une bande dessinée d'un côté et puis un livre tout à fait classique de l'autre. C'est uniquement basé sur des cas enquêtés par les armées des différents pays, par les services spécialisés, par la gendarmerie nationale. Ce n'est pas du tout des élucubrations, hein, c'est du béton. C'est de l'écrit, c'est du béton. Ben merci Jean-Claude, merci beaucoup. On voit, j'ai vu Merci sur à le vous, chat, bonne soirée. vous faites pas votre Merci. âge. On vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Longue vie à vous, Jean-Claude Bourret, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Bientôt, merci. Au Merci plaisir. Jean-Claude, à bientôt. Bonne soirée. Hop, on revient ici. Tac. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de fenêtres. Tac, on va terminer cette émission par les vies antérieures. Alors que je recale tout, parce qu'ici on fait tout, la régie, l'animation, j'ai 50 000 boutons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On l'écouterait pendant des heures, Jean-Claude. Oui, c'est Hein. vrai. Quel amour, Jean-Claude. Moi, j'écouterais cet homme-là Moi, j'ai pas pendant des... osé intervenir. J'ai vu que tu étais tout calme, Oui, tu étais mais timide ce j'ai. soir. Non, j'étais pas Tu étais timide, en mais je vais rasera, j'ai vu sur le l'écouter. chat. Je vais l'écouter avec passion. C'est un homme qui a une très grande connaissance. C'est impressionnant. Oui, alors il reviendra peut-être hein, dans d'autres émissions, parce qu'on, vous savez, on fait une spéciale OVNI. Alors, ça ne sera pas avant la fin de la saison, on la fera à la rentrée hein, maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, comme vous le savez, sur la chaîne. Mais on fera une spéciale OVNI, bientôt le contact, à la rentrée. On réinvitera Jean-Claude, s'il souhaite venir, pour la débattre encore beaucoup plus largement dans cette émission. Et puis, cette émission-là, elle va durer 2 heures et demie, voire peut-être 3 heures. Ça va être une spéciale. Donc il ne faudra pas la louper à la rentrée, là où c'est qu'on va détailler plein de dossiers, vidéos, photos. Voilà, c'est pour ça que je voulais inviter Jean-Claude pour vous donner déjà un avant-goût pour cette émission OVNI. Ça s'est bien passé les amis sur le chat, merci à Jean-Claude, merci à lui. C'est vrai que c'est comme les frères Bogdanov, hein, on devait les Oui, tout à avoir fait. dans cette émission, malheureusement, Ils vous sont savez... partis Ils sont trop tôt. partis trop tôt. À quelques mois, hein, ils devaient venir dans l'émission. Les frères Bogdanov, ce sont aussi des personnages que j'aurais adoré avoir dans l'émission et vous les partager parce que c'était aussi des puits de connaissances incroyables. Alors, qui aime, qui aime pas. Après, hein, c'est comme toujours. Hein, il y aura toujours les détracteurs, pardon, pour tout le monde. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. On sera toujours le compte quelqu'un, etc. Mais moi, j'aimais beaucoup aussi les frères Bogdanov qui étaient excellents. Et puis, ce qui est un peu frustrant, je pense que c'est pareil pour vous les amis, quand ces gens-là sont dans les gros médias, on peut jamais les écouter longuement parce que c'est souvent
entrecoupés de railleries, on les coupe sans arrêt, etc. C'est pour ça que voilà, j'aime bien faire ce genre d'émission pour laisser totalement la parole à l'invité, que vous puissiez voilà, découvrir tout ce qu'il a à nous dire, parce que c'est souvent intéressant. Mais c'est vrai que dans les grands médias, c'est souvent coupé, on n'entend rien, on a envie de dire « mais taisez-vous, laissez-le parler ». Et moi, j'avais souvent cette frustration quand je voyais aussi les frères Bogdanov ou alors monsieur Jean-Claude Bourré dans les grands médias. On dit, mais vous allez la fermer, laissez-le parler, parce que c'est des sujets intéressants. Et c'est vrai que si souvent les sujets comme ça sont traités à raillerie, etc., on s'y plonge jamais à fond. C'est pareil pour le paranormal, c'est pareil pour plein de sujets. Voilà, grand monsieur, je vois sur le chat exactement, grand monsieur, et longue vie à vous, monsieur Jean-Claude Bourré. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce soir. On va terminer cette émission, ben, comme on vous l'a promis, par les vies antérieures. Parce que la femme m'a dit, mais il n'y a pas les vies antérieures, qu'est-ce qu'il fait Alain, bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, donc ce soir, ça sera les vies antérieures avec Alain. Alors, vous savez comment ça se passe, hein, ça se passe sur le chat. Qu'est-ce qu'il nous faut, Alain? Tu peux nous rappeler déjà? Le prénom de la personne avec sa date de naissance. Voilà. Tout simplement. Le vrai prénom. Hein. Et ensuite, Alain vous dira qui vous étiez dans une vie antérieure. Et puis, il faut surtout y voir... le caractère. Les traits de caractère. Tout à fait, oui. Exactement. Voilà, donc sur le chat... Et puis voilà, ça passe tellement vite les émissions. Ben oui, lui aussi est passionné, Jean-Claude. Hein, sa femme, elle a dû lui dire pas trop longtemps hein, l'émission. Voilà, mais on fera une spéciale, rassurez-vous les amis, à la rentrée. Ça sera pas à ne pas louper l'émission OVNI, bientôt le contact. Je vous l'avais déjà mis en préambule il y a quelques mois, mais avec Nat qui était un petit peu malade et qu'on embrasse, ma soeur, ce soir, si tu nous regardes, on te fait un gros bisou. Reviendra Nat à la rentrée, hein, je l'ai précisé. Donc il y a eu beaucoup de chamboulements et puis c'est une grosse émission, donc difficilement gérable tout seul. Hein, parce que vous savez, je fais tout, la régie, le machin, j'ai 50 boutons par-ci, par-là. Donc ça sera à la rentrée, cette grosse émission. Et puis j'espère avec Jean-Claude qui reviendra élargir ce domaine qui nous passionne. Allez, comme d'habitude, hein, ensuite c'est au hasard sur le chat. Je vais prendre un premier ici, voilà, qui est Séverine Alain, qui est né le 02-09-1980. Qui était-elle dans une vie antérieure, mon cher Alain? Elle se pose la question, Séverine. Séverine, donc. Bien ça. Ah oui, t'as marqué. Qui était-elle alors? Séverine était marchande ambulante, une personne très généreuse de caractère, fidèle, une personne méfiante aussi, mais surtout une personne qui adore les gens, qui adore le contact. Ok, alors après vous nous faites un petit retour, hein, vous savez, dans le chat, comme d'hab, vous n'hésitez pas. Allez, il est dans le thème de la soirée ce soir, il tombe sur les œufs, il n'y a pas de hasard. Lucien qui est né le 19-05-1971. Alain, pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, soyez les bienvenus. Alain, médium, voyant et spécialiste en médecine chinoise, vous dit ce soir vos vies antérieures, comme d'habitude dans cette émission. Alors, qui était Lucien? Lucien était charpentier dans une vie antérieure. Donc, c'est quelqu'un de très habile, quelqu'un qui aime rendre service et quelqu'un aussi de prudent, hein, très prudent. Bien. Allez, notre personne ici. Oui, contact du troisième type, nous dit encore François sur le chat. Tac, allez, ça me tombe sous les yeux. Michael, mon cher Alain, Michael, qui est né le 29-04-1988. Que faisait Michael? Alors, Michael était forgeron. Alors, il y a quand même... durant cette vie intérieure, il a été blessé à une main. Et je pense qu'il peut ressentir ou des douleurs ou... Des douleurs là, dans une main? Ou avoir une marque de naissance au niveau de la main. Pourquoi? Parce que souvent, quand on vit une vie intérieure, on garde des empreintes. Donc, quelqu'un de très habile, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui aime aussi avoir des amis, qui aime s'entourer, mais surtout quelqu'un de passionné. Bien. Allez, autre personne, Joanie, qui est sur le chat.
Joanny, qui est née le 29-10-1987. Elle aussi, elle veut savoir ce qu'elle faisait dans le temps. Une guerrière, Joanny. Une nonne. Oui, Joanny, t'as bien marqué. Non, Joanny était marchande ambulante. Hein. Alors, les fruits, les légumes. Oui. C'est une personne qui aime la propreté, une personne quand même assez manuelle, et une personne qui aime aussi le contact, mais surtout une personne très douée pour vendre certains produits. Bien. Allez, une autre sur le chat. Laetitia, voilà. Laetitia, qui est née le 02-11-1980. Laetitia. 02. Le 02-11-1980, là. Voilà, et puis bienvenue au nouveau. Hein. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur Rencontre Paranormale. Soyez les bienvenus, les amis, sur cette chaîne. Alors, Laetitia, elle était dans le soin. Alors, je vais dire infirmière. À une époque, peut-être qu'on n'appelait pas ça une infirmière. Ouais. C'est une personne qui soignait les gens, en fin de compte. Donc, une personne qui s'intéresse à tout ce qui est médecine, bien sûr. Une personne très généreuse de caractère et très ponctuelle. Bien. Allez, au hasard sur le chat. Hop, ça me tombe sous les yeux. Aline. Aline, qui est née le 20-04-79. Que faisait-elle dans une vie antérieure? Aline, comme vous le voyez, hein, travaille au pendule. Aline était couturière dans une vie antérieure. Donc, elle a, pareil, une personne assez habile de ses mains, une personne réfléchie, qui aime réfléchir avant de prendre une décision. Une personne très agréable de contact, mais surtout une personne qui a beaucoup de générosité, beaucoup de savoir. Bien. Alors vous nous ferez, hein, tous ceux qui ont la chance de passer ce soir, vous nous ferez un petit retour si vous le souhaitez dans l'espace commentaire sous la vidéo. Allez, ça me tombe sous les yeux. Dominique. Dominique qui est né le 15-09-1976. Que faisait-il notre cher Dominique dans une vie antérieure, mon cher Alain? Donc je rappelle, hein, pour ceux qui veulent participer, votre vrai prénom et vos dates de naissance à donner à Alain sur le chat. Alors Dominique, c'était un militaire. Hein. Alors il y a quand même, il était militaire, mais du temps de Napoléon. Hein. D'accord. Donc quelqu'un. Très de caractère. Voilà, très. Très, très dur de caractère, mais aussi... Quelqu'un de carré, de rigoureux. De bien carré, voilà. Pas dur, mais carré. Quelqu'un de sensible aussi. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais quelqu'un de sensible. Et quelqu'un qui aime tout ce qui est film de guerre ou film de l'époque. De l'époque d'accord. Militaire, tout ce qui quelqu'un est... Quelqu'un qui va être attiré, voilà, par ça, comme tout petit peu. Tout à fait, oui. D'accord. Par contre, Dominique, c'est quelqu'un qui... Moi, je verrais chez lui, alors, quelqu'un qui aime l'écriture, quelqu'un qui est doué à ce niveau-là. D'accord. Allez, ça me tombe sous les yeux. Pierre-Louis, qui est né le 15-07-1967. Que faisait Pierre-Louis dans une vie antérieure? Pierre-Louis, mon cher Alain. Alors Pierre-Louis, c'était un voyageur. Alors bien sûr, sur des bateaux, parce qu'à l'époque, les avions, tout ça, oui, ça n'existait pas. Donc un voyageur qui transportait de marchandises, bien sûr. Donc quelqu'un qui aime la découverte, quelqu'un qui aime les voyages, quelqu'un qui est curieux de nature, et surtout quelqu'un qui aime, comment dirais-je, qui aime découvrir les autres pays, mais pas découvrir les autres pays par curiosité, mais pour connaître leur habitude, leur façon de fonctionner. D'accord. Allez, autre sur le chat. Geoffrey, Alain. Geoffrey, qui est né le 3-05-2005. Que faisait-il? Qui était-il dans une vie antérieure?
2005. C'est ça. Alors, Geoffrey, il travaille le bois, mais par contre, c'est quelqu'un qui a tendance à être replié sur lui-même, une forme de timidité, une personne méfiante aussi, mais on dirait que c'est une personne qui a peur de prendre des décisions. Ah, d'accord. Ok. Notre, alors lui, je pense pas que ça s'appelle le dernier, ça va être le dernier, je pense. Eh ben, parfait, là, tac, on affiche, ben, ça sera Véronique, donc Véronique... qui est né le 28-11-1991. Véronique qui veut savoir ce qu'elle faisait dans une vie antérieure. Alors, comme je le répète, hein, les amis, il faut y voir le trait de caractère. Hein. Tout à fait. C'est pas le métier qu'on faisait à l'époque. Et il y a quand même une empreinte qui reste de notre métier. Dans oui, c'est ça. Hein. Il y a 14 milliards d'années, comme on disait avec Jean-Claude. Un truc de dingue. Alors, Véronique, elle préparait les notions. Alors, moi, je dirais qu'à notre époque, on appelle ça les pharmaciens, mais là, c'était beaucoup plus... Les herboristes. Les herboristes, voilà. Herboristes, ouais. Donc, une personne curieuse de nature, une personne qui est quand même assez studieuse et une personne qui est très proche de la nature. Elle aime tout ce qui est contact avec la nature. D'accord. Bon, ben voilà, l'émission passe super vite, hein, donc on pourrait rester encore des heures, mais à un moment donné, il faut bien se quitter. Voilà, donc soyez pas frustrés ceux qui ne sont pas passés, vous passerez la prochaine fois. On a encore des émissions avant qu'on se quitte, avant la fin de saison, rassurez-vous. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être de la voyance en direct avec Alain. Hein. Grand médium, hein, vous le savez, il a plus de 35 ans dans ses bottes déjà, Alain. Oui, il a bien roulé sa bosse dans le domaine, très connu sur la région. Donc, ben, n'hésitez pas, si vous voulez connaître votre futur ou la deuxième partie de la deuxième moitié d'année, on va dire, hein, parce qu'on arrive un petit peu au milieu là. Amour, santé, argent, etc. Si vous voulez tout savoir sur votre futur, Alain vous le dira mardi prochain en direct. Et puis ensuite, on terminera avec une grosse émission avant de se quitter pour la saison estivale, hein, parce que tout le monde va trouver. Prendre les chemins de vacances et puis après on se retrouvera à la rentrée comme chaque année, comme d'habitude. Alors je voulais dire un petit mot. Alors vas-y, Alain. J'étais pas timide face à Jean-Claude Bourret, tout simplement très attentif. Attentif ouais. Alors comme je connais pas bien le sujet sur les UFO, OVNI, donc j'ai écouté et puis j'ai apprécié. Voilà, donc ça sera à renouveler, les amis. Dites-nous tout ça en commentaire. Et voilà, donc on va se retrouver déjà mardi prochain en direct pour de la voyance. Donc préparez-vous pour ceux que ça intéresse. Passez une bonne nuit, bonne fin de soirée à tous et à mardi. Tchuss. Tchuss.